Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Alors, bonjour les gens, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Binding of Isaac. Donc un petit jeu qui est sorti il y a longtemps maintenant. Donc c'est la première version du jeu, et donc du coup j'espère que vous avez compris l'introduction. Donc en gros, bah Isaac, sa mère elle veut le tuer en gros. Parce que Dieu lui a dit qu'elle devait le tuer, donc voilà. Donc du coup on va incarner ce petit personnage qui entre dans la basement. Sauf que bah, dans la cave il y aura plein de monstres. Donc voilà le basement 1. Donc là c'est notre petit personnage, voilà. Tout d'abord avant de commencer, je veux quand même vous préciser que ce jeu, en fait, la partie se terminera quand on mourra, parce qu'en fait, il n'y a pas de sauvegarde dans The Binding of Isaac, donc du coup, c'est notre vie qui en dépend, en fait. Voilà. Donc du coup, on va commencer. D'accord. Bon, bah ça commence bien. Ah, j'ai fait ce mouche-là. Oui, j'ai déjà joué. Pour voir à peu près... c'est quoi le jeu, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et voilà. Bon, du coup, ces deux salles elles ont servi à rien. On va l'en haut. On va pas commencer déjà à mourir. Hein. Dommage. Bon bah j'en ai pas besoin. Alors du coup ça c'est une salle où on a plein de bonus. Magic Mushroom. All stat up. Bon par contre je suis pas non plus super forte en... Bon là j'ai pas de... Je n'ai pas de truc. Voilà. Donc là en fait apparemment
qui lancent des boules de sang en fait. Qui nous font mal du coup. Et nous on lance des larmes. Par contre là on a une pile et en fait c'est aléatoire donc du coup peut-être on va faire de la vie, je sais pas. On va voir ça tout de suite. Ok. On a perdu de la range. Que j'y retourne en plus. Ça veut pas dire rage ou un truc du genre. Je ne sais plus. Y'a pas du tout d'autre salle. Je vais quand même aller prendre le cœur là-bas. On a tout notre vie. Par contre, du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le boss. Donc, ça, c'est des salles de boss. Le boss du niveau. Ça va le faire, je pense. Quoi? Non, mais c'est pas possible là. Pourquoi ils sont deux? Normalement, ils sont qu'un en fait. Je vous explique. Mais non, mais c'est pas possible. Bon franchement si j'arrive vraiment pas là, je continue quoi. Je peux pas. Putain j'ai eu peur, j'ai jamais eu ça de ma vie. Dessert. Ok, HP up. Oh, tous les cœurs qu'on a. Alors là, on a le The Basement 2. Après, il y a les deux caves, je crois, et après, je ne sais pas parce que je suis jamais allée. Et oui, je suis nulle à ce jeu. Mais bon, ça distrait quand même. J'ai cliqué en dehors de ma fenêtre. Oh non, je le passe. Pourquoi je vais là? Ah j'ai récupéré mon demi-car. Donc ça va. Ça c'est horrible. Il m'a pas touché et... Bon là j'avoue qu'il m'a touché. Il meurt jamais. Mais c'est pas possible, il meurt jamais. Il en plus il donne rien. Ces salles ne servaient à rien. Oh non, pourquoi j'étais dans ces salles? Ici mon petit. Bon ça va. Je sais, je suis débile là. Très concentré. Mais non, mais non, mais c'est pas possible. Je perds de la vie pour rien là. Je bug. Il ne faut pas me faire du mal. Mais eux, mais j'ai jamais compris ces monstres. En gros, ils nous aiment pas, donc du coup ils nous fuient, en fait. Tu vois, normal. Oh, y a la salle du boss. C'est qui ça? Bon, je vous avoue que je connais pas tout le jeu, hein. Je sais pas du tout qui c'est lui. Je sais pas ce qu'il va faire comme... Du coup, il fait rien. Oh non! Putain. J'aime pas les trucs comme ça, là. Ça fait penser au clan dans Minecraft. Pas du tout un petit truc que j'aime. Je me mets dans le coin.
fallait pas que je me mette dans le coin. Mais c'est la merde. J'ai encore quelqu'un en dehors de la fenêtre. Je perds de la vie pour rien. Ça me saoule. Ça va être chaud là. Non, putain. Mais dis pas que je vais mourir à cause de ça. Non. Moi je vais pas mourir à cause de ça. Non. Je suis trop deg. Pourquoi j'ai été dans cette salle? Bon, vu que ça fait pas longtemps, on va refaire une partie, mais. Je suis dégoûtée là. Je suis morte à cause de ce mini-boss là. En fait, des fois, il y a des salles où il y a des mini-boss et du coup, on ne sait pas en fait qu'il y a des mini-boss dedans parce que voilà. Pourquoi j'ai pris un cœur en fait? Sale bonus. Par contre, c'est un peu bizarre le truc là. Je mettrai jamais ça. Hein. Oh, trop bien ça. C'est de la vie en plus. Dehors, ça m'énerve. Je t'aime pas, non. J'ai besoin de me coller là. Comme j'ai les petits, je les ai jamais. Et là, c'est YOLO. Moi, ça m'énerve. Tu m'as pas eu. Oh, tu rages. Tu vas mourir. C'est pareil, les boss sont aléatoires. Oh, putain, tous les cœurs que j'ai là, c'est. Allez, basement. Trop fort. Ah là, j'ai bien géré là. Non. Oh, je les pile, ce... j'aime pas trop. Hein. Je préférais sa tête avant en fait. Non mais. Je peux aller voir le coffre. Bon là ça va être encore une salle en mode. Peut-être que ça va être un peu de reste. Oui,
Ils nous prennent entre deux là. Je peux perdre un cœur. Oh, trop bien. J'ai des piécettes. Non mais il me gangbang là, non ça va pas. Regardez, il me gangbang. C'est pas possible. Ça va pas ou non? Moi je suis pas. Je suis pas comme ça moi, hein. Je suis pas ça moi. C'est fou Putain mais j'ai plein de cœurs, c'est quoi ce truc? Ce niveau j'ai plein de cœurs. Il lui fait rien, il me vient. Des cœurs pour rien, ça me saoule. Bah non, bâtard. Et je perds des cœurs pour rien, ça m'énerve. Ah ouais, mais là c'est pareil. Du coup, la l'attendre parce que. T'es con. Non. Distance de portée, ça va, hein. Voilà, moi, je suis comme ça, moi. En mode, je m'en fous, je dors. Non, mais non, mais... J'ai oublié de... Non, j'aime pas ça. Ils sont méchants. Ouais, tu les tires, t'as beau pour moi. J'ai oublié de prendre ma vie. Non. Ça tue le tir. Ouais non, ça va pas le faire ça. Toi, casse-toi, casse-toi. T'as vu comment c'est méchant ce truc? Oh, je veux pas. Ouais bah allez. Je vais mourir comme une cochon là. Ça m'énerve ça. Non, 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 moi je veux pas. Je le tue là. M'énerve, m'énerve, m'énerve. Je tombe toujours sur les boss de merde. De merde. Bon bah écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Hein. Parce que là, je pense que aujourd'hui je suis très très nulle. Pourquoi il me dit ça là? J'aurais dû prendre mes autres cœurs en fait. Bon tant pis, c'est pas grave. Bon bah on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis... Bye bye.